Bueno, después son un poco de hesitación, finalmente voy a hablar en francés. Es un poco una pena, pero estaba un poco difícil para mí de preparar directamente en castellano la presentación. Entonces, gracias a María, que hace un trabajo tremendo para la traducción, para estar mucho mejor que mi castellano, que es un poco limitado. Bueno. Ah, más o menos. Ah, pero para las preguntas, pero no vamos a tener el tiempo para las preguntas. Bueno, es así. Un poco de introducción en castellano y después voy a hablar en francés. La idea de mi intervención es de hablar sobre un tema que es conectado con el tema de Corinne, que es ver otro tipo de patrimonio, no el patrimonio material directamente, pero el patrimonio que es la memoria de los actores del organismo. Y es un parte de la reflexión que tenemos, como dijo Corinne, sobre un museo virtual del Gran Paris. Y entonces me puso a trabajar sobre los diferentes museos de organismo que hay en la aglomeración de París y los diferentes usos de la historia del organismo en relación con el organismo como práctica en estos diferentes museos. Bueno, ahora en francés. À la fin des années 80 et au début des années 90, on a la fondation en fait, de trois espaces d'exposition, musées, traitant de l'action urbanistique, qui sont liés à trois institutions urbanistiques différentes de l'agglomération parisienne. En 1988, on a la fondation du pavillon de l'Arsenal par la ville de Paris, qui est le support d'une politique d'exposition, d'histoire et d'actualité de l'architecture et de l'urbanisme, traitant évidemment de la capitale française, du périmètre correspondant à la capitale française. En 1995, on a la fondation du musée de la Défense par l'organisme qui était en charge de la construction de cette grande opération que vous devez connaître, le quartier d'affaires de la Défense, l'établissement public d'aménagement de la Défense, qui a développé ce musée développe une histoire, a développé une histoire des différentes opérations d'urbanisme correspondant à la Défense. Voilà. La même année, en 1995, un autre musée a été fondé, le musée de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le troisième, par une organisation qui regroupe en fait les communes correspondant à cette ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était l'une des cinq villes nouvelles construites autour de Paris, et l'organisme en charge de sa construction, qui était l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du même nom. Pour vous donner un peu une représentation, j'ai rajouté cette carte. Donc, un musée, le pavillon de l'Arsenal qui correspond à la ville de Paris, un autre musée, le musée de la Défense qui correspond à l'opération de la Défense, hein, que l'on voit ici dans le schéma directeur 65 qui a annoncé la politique des villes nouvelles, et un dernier musée qui correspond à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est en périphérie, l'une des cinq grandes villes nouvelles autour de Paris. Tout s'inscrit dans la valorisation du récit de l'action urbanistique menée par les organismes en charge de l'aménagement de ces différents périmètres, en lien avec une perspective historique plus large, et donc transformant les démarches de ces institutions urbanistiques en objets historiques. Mais ces trois espaces s'inscrivent en réalité dans trois démarches très différentes. Peut-être que tu veux traduire maintenant. Él va a hablar de, se va a ocupar de las exclusiones de urbanismo y de historia del urbanismo de París y este, ha cogido tres casos, que son los tres que ahora mismo están en funcionamiento. Tres casos, tres instituciones que los promueven y tres localizaciones distintas. El primero sería el pabellón del Arsenal, que está en París, intramuros, podríamos decir, que se ocupa de la historia y de la actualidad de la arquitectura y del urbanismo. El segundo es la Défense, que está fuera de Estrasburgos, pero cerca de París, que se ocupa de las historias de las operaciones de urbanismo que tomó a la gran operación de la Défense. Y el tercero, que sería la periferia alejada, que es en la ciudad nueva de Saint-Quentin-en-Yvelines, que sería el que promueve el propio establecimiento público de ordenación urbana de la Ville Nouvelle y que tiene su localización aquí. Por tanto, tres localizaciones.
localizaciones, tres museos y tres instituciones distintas, pero se me ha olvidado decir que el de la Défense es también del Établissement Public. Sí. Es también del promotor público de la urbanización de la Défense. Y para completar, estos promotores públicos son promotores públicos del Estado. Ah, es importante. Donc, pour continuer, premier cas, le pavillon de l'Arsenal, qui en fait est le témoignage d'un projet plus vaste, celui de l'atelier parisien d'urbanisme, qui depuis les années 70 a développé un urbanisme fortement articulé avec l'héritage historique, en rupture avec les pratiques de l'aménagement précédentes. Ce projet plus vaste a été adopté par un nouvel exécutif parisien, le maire Jacques Chirac, qui a été nommé en 1977, comme élément de rupture avec les pratiques de l'État auparavant sur la ville de Paris, pour faire ça. Ce centre d'information, de documentation et d'exposition d'urbanisme et d'architecture de la ville de Paris est issu directement de la direction de l'architecture de la ville de Paris. Oui, il y a la direction de l'architecture et du département de la communication, des relations extérieures et de la commande publique. Donc c'est vraiment en lien avec une logique de communication de l'action de la ville de Paris. Quand on regarde le conseil d'administration de cet organisme à sa fondation, on a bien sûr le maire, l'adjoint à l'urbanisme, mais aussi de nombreux départements qui tous concourent, nombreux directeurs des départements qui tous concourent à l'architecture et l'urbanisme. Architecture, aménagement urbain, service urbain, et les constructions, le logement, plus l'atelier parisien d'urbanisme, qui est l'agence d'urbanisme de la ville et qui a construit la doctrine d'aménagement de la ville durant cette période. Dans l'Assemblée générale, on a aussi les présidents de tous les constructeurs de logements et opérateurs d'aménagement urbain de l'époque. L'espace est divisé en deux parties, un espace d'exposition permanente qui a, et ça c'est intéressant, été organisé par deux architectes historiens, on va dire un historien issu de l'architecture et un architecte faisant d'histoire, Jean-Louis Cohen, bien connu, et Bruno Fortier, dans une logique assez étonnante d'articulation entre un récit sur l'histoire de la ville depuis le Moyen-Âge et des projets contemporains inscrits dans les territoires correspondant à cette histoire. De l'autre côté, des expositions temporaires, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les premières expositions ont été des expositions liées à la publicité de l'urbanisme de la ville de Paris. La toute première exposition, c'est les 20 ans de l'action de l'atelier parisien de l'urbanisme. Et je vais m'arrêter là pour que tu traduises. Bueno, sobre el pabellón del Arsenal, que ha estado creado en el Corral de Scarlett, está vinculado a la Dirección de la Arquitectura del Ayuntamiento de París, pero reúne también en su funcionamiento a diferentes departamentos. Él insiste en que es muy importante en términos de comunicación de la actuación municipal en París. Reúne a varios departamentos y también subraya la presencia, la vinculación con la CUR, que es una agencia, digamos, de urbanismo dependiente del Ayuntamiento de París que cubre muchísimas tareas de información sobre la ciudad. El primer catálogo, o el catálogo, mejor dicho, de la exposición permanente del pabellón del Arsenal fue producido, concebido por Jean-Louis Cohen, que es historiador del urbanismo, y Bruno Fortier, que es arquitecto urbanista. Entonces, con una ambición bastante, digamos, grande, amplia, de hacer la historia, de recoger la historia de la ciudad desde la Edad Media, pero también incluir las grandes cuestiones de debate contemporáneo sobre el cambio de transición. No solamente el debate, pero los proyectos contemporáneos articulados con la historia, como si los proyectos estaban la traducción contemporánea de una historia permanente. Continua. Pour continuer, deuxième cas, donc c'est vraiment un usage projectuel de l'histoire dans une démarche urbanistique. Autre cas, le musée de la Défense qui s'ancre lui dans une démarche qu'on peut appeler d'histoire d'entreprise et en même temps de construction identitaire d'un lieu, la Défense, le quartier d'affaires. Il est implanté en plein milieu du site, dans le sol artificiel de la dalle, en dessous du site d'information, orientation de la Défense.
Donc c'est vraiment articulé avec cette idée de donner une identité au site. Il est organisé en 8 séquences, il était organisé, parce qu'il est, normalement il a été rénové, je ne sais pas très bien où est-ce que c'en est, mais il était organisé en 8 séquences qui racontent tout autant l'histoire de l'opération que celle des acteurs ayant mené cette opération. Il s'appuie sur des maquettes originales, des projets et concours, donc c'est un lieu de conservation, et sur des reproductions de dessins originaux. Alors il a été développé au même moment que ce musée, juste un an auparavant, une campagne d'archives orales inachevée, mais qui était assez importante, auprès des principaux acteurs, et qui a été pilotée par quelqu'un de l'Institut d'urbanisme de Paris, Jean Bochard, si je me souviens bien. Voilà. Donc il y a une vraie démarche patrimoniale globale de conservation, de publicisation auprès d'un public, de constitution d'une campagne d'archives orales, même si ces archives orales ont été inachevées. Segundo caso es el Museo de la Défense. Es una, básicamente, se trata de una construcción identitaria de la Défense. Es un centro que reúne información y algunas orientaciones sobre el proceso de evolución de la Défense. Hace hincapié en la historia de la operación, pero la marida con la historia de los actores que han intervenido en ella. Conserva, es un lugar de conservación en la medida en que guardan las maquetas del concurso y guardan también algunos otros recursos archivísticos, como pueden ser la recogida de entrevistas, el archivo oral que está inacabado, y todo ello conforma una especie de proceso de patrimonialización con carácter que pretende ser global. Alors, cette action s'articule probablement, quand on essaie de comprendre cette action, ça demanderait plus de recherche, mais ça s'articule probablement avec la personnalité même du directeur de l'établissement public, donc de l'organisme en charge de la production de cette opération, de l'époque. Un directeur qui a travaillé à deux époques différentes dans l'établissement public, dont le destin, la carrière est liée du coup à l'établissement public, et qui, à côté de ça, est passé par de grandes entreprises privées de construction, traversées à ce moment-là par la mode de l'histoire d'entreprise. Ça s'articule aussi à un moment particulier de l'histoire même de l'institution qui est l'établissement public d'aménagement, c'est-à-dire une nouvelle relance de l'opération. L'opération de la Défense régulièrement devait s'arrêter et finalement a été relancée. Plus largement, en fait, ça s'inscrit dans une démarche au long cours de l'institution traversant les personnalités en charge de cet établissement public, de cet organisme constructeur. Donc une démarche au long cours des institutions visant à valoriser l'opération et soi-même à travers l'histoire. En fait, l'origine même du musée, c'est en 1988, à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans de l'opération et de l'institution établissement public, il y a eu de nombreuses manifestations, dont une exposition temporaire déjà à cette époque, des maquettes, des projets et des concours que l'établissement public avait conservé sous une tente sur le site. Donc avant, c'est l'origine en fait de cette conservation dans le musée, et la production d'une première brochure historique sur l'opération de la Défense. Cette évolution au long cours est passée par le musée et par la suite a abouti récemment, en aval, entre 2010 et 2012, à la suite de l'anniversaire de 2008, à la production d'un dictionnaire Atlas historique en deux volumes sur l'opération de la Défense et aussi la production d'un autre ouvrage sur l'histoire de l'architecture de la Défense plus simplement. Se articulan tres aspectos. Por un lado, una fija personalidad propia del director y de la agencia en un momento dado en que está, digamos, se valora mucho la historia de las empresas. Entonces, por un lado está esa valoración en tanto que empresa de la Défense, y está por otro lado el interés de relanzar la operación en un momento que no era muy brillante. Y en tercer lugar, en esa valoración de la operación, pero también del agente público que la promueve, se producen exposiciones, incluso un folleto de divulgación histórica, que es el que tenemos en la pantalla. Es importante, en la misma línea que hacia 2010, en la misma proceso, se ha producido un diccionario histórico de la Défense. Donc dans chaque cas, en fait, de cette histoire un peu longue de valorisation de l'histoire de l'opération, correspond,
comme en 1995, à un moment de relance important de l'opération par les directeurs de l'époque, et d'un autre côté, une présidence de l'institution, je rentre un peu dans les détails, peut-être que tu pourras être plus simple, une présidence de l'institution qui n'est pas assumée par l'État, mais assumée par un élu local, personnalité du département, donc parmi les élus, dont l'opération est l'image de marque. Je ne sais pas si tu peux... Bon, je vais le faire en espagnol, je vais essayer. Cada caso es un momento de... comment tu dis relance de relanzamiento importante de la operación por la empresa y al lado es un momento que cuando la institución, esta empresa pública que hace la producción de este desarrollo urbano, está en el control de los concejales locales y no del Estado, más o menos, para ser más simple. Y entonces hay una idea de valorización para el público, para los electores, y también una imagen fuerte para todas las municipalidades, las municipalidades del sitio, etc. Dernier cas, qui s'inscrit dans une démarche plus complexe, plus réflexive, toujours de construction identitaire, mais cette fois-ci plus partagée, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui mobilise en fait différents acteurs, qui est une histoire plus dense. Donc là aussi fondée en 1995, mais qui s'articule autour d'expositions montrant d'un côté les évolutions du territoire, de l'autre côté plus généralement la question de la place de l'homme dans la ville, et enfin la valorisation des projets dans le territoire. À côté de ces expositions, c'est aussi un lieu qui conserve des objets, alors des objets liés au passé du territoire avant la ville nouvelle, et aussi à la population nouvelle, au mode de vie de la population nouvelle à partir des années 60, d'un côté, mais aussi qui conserve des objets que sont les plans d'urbanisme, les maquettes des projets, etc. C'est donc une institution qui développe à la fois une histoire de l'aménagement de la ville nouvelle et une ethnologie des nouvelles populations, des anciennes populations et des nouvelles populations installées. Une ethnologie de la population, en fait, du territoire. Bueno, el Museo de San Catania de Belén es de la misma época, pero hace un planteamiento distinto en el que se retoman otros temas, por ejemplo, el del lugar del hombre en la ciudad, los proyectos dentro de su territorio. En general, presenta una historia del pasado del territorio antes de la Ville Nouvelle y después el proyecto, guarda de hecho los planes de urbanismo de la Ville Nouvelle, y plantea, por tanto, un recorrido que no arranca de la aparición de la entidad pública, como en el caso de la Défense, sino que reconoce un antes y un después. Por tanto, abarca la historia de la planificación urbana, pero también pone en relación la historia de la población antes y después del propio proyecto de Ciudad Nueva. En fait, c'est le résultat d'une longue démarche complexe, très spécifique à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'appuie sur deux axes différents, parfois en concurrence. Je vais essayer d'aller un peu vite sur cette partie. Il y a une évolution régulière. En fait, le projet original date de 1977, un peu dans la genèse de la ville nouvelle. C'est le développement d'un musée ethnographique interdisciplinaire qui essaye de puiser sur l'histoire du territoire pour nourrir le développement de la ville nouvelle, qui est une sorte de compromis entre l'entreprise publique construisant la ville nouvelle et les élus locaux. Ce projet va devenir de plus en plus orienté vers une histoire, donc du passé et de la ville nouvelle en train de se faire, et à partir des années, de la fin des années 80, va s'engager dans une nouvelle dynamique qui, je te laisse traduire. Hay dos ejes en el desarrollo de este proyecto museográfico, podríamos decir. Uno se refiere a una evolución regular donde se reconoce la juventud de la Ville Nouvelle y que reposa sobre un registro, diríamos, más etnográfico, que resulta de una especie de compromiso entre el promotor público de la Ville Nouvelle y las
intenciones, esperanzas, intereses de los concejales locales en un momento, bueno, los concejales locales que pueden ser de alguna manera preexistentes, o de hecho preexistentes a la Ville Nouvelle. A partir de la fin des années 80, donc, il y a l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête de l'établissement public qui va relancer un projet plus important de musée d'histoire de la Ville Nouvelle, spécifiquement sur l'aménagement, qui va s'articuler à un renouveau aussi de l'intérêt des élus pour la valorisation de la mémoire collective des habitants. Et le musée que l'on connaît aujourd'hui est issu de cette double culture. Une démarche qui s'est poursuivie par la suite, avec l'articulation plus forte encore de cette double culture, à travers la labellisation par le ministère de la Culture de la Ville Nouvelle comme ville d'art et d'histoire en 2006, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire une ville nouvelle, une production de la deuxième moitié du XXe siècle qui devient une ville d'art et d'histoire. Voilà. Cambio de director en el promotor público, ha habido un relanzamiento del museo que ha desarrollado el segundo eje en el que se insiste en la revalorización de la memoria colectiva, pero en torno a la construcción de la Ville Nouvelle, si no he interpretado mal. Y esto de alguna manera queda sancionado por cuando se labeliza, cuando un organismo público del Estado, no sé cuál es, le otorga el galardón de reconocerle Ciudad de Arte y de Historia. Voilà, on a sur le Moyen-Va, d'ailleurs, pas la nationale, ouais. En fait, donc, le musée, c'est le témoin d'une démarche locale portée par les élus dans la durée, mais aussi il est né de l'impulsion déterminante d'un directeur, Jean-Paul Alduy, qui a été particulièrement impliqué dans la valorisation de la mémoire, de l'aménagement de l'agglomération parisienne. Donc ce personnage, Jean-Paul Alduy, avant d'être directeur général, a travaillé de cette entreprise publique de construction de la Ville Nouvelle, a travaillé à la planification de l'agglomération parisienne au sein d'un institut d'aménagement et d'urbanisme, voilà, qui est à la tête de cette planification, dans les années 70. Et en travaillant dans cet institut d'aménagement et d'urbanisme, il a produit une démarche réflexive sur l'histoire de cette planification qui a été publiée d'abord en 79, puis en 83 à travers ce numéro spécial sur les 40 ans de planification de l'Île-de-France. Je suis obligé de raccourcir un peu, donc j'explique pas tout. Bueno, no, el director del establecimiento público de la Ville Nouvelle que ha relanzado el museo no es por azar otro que el mismo que había estado trabajando en el Instituto de Ordenación y Urbanismo de la región Ile-de-France y que había sido el promotor de una publicación que es la que está en la pantalla, 40 años de planificación. Entonces él de alguna manera retoma un proceso de reflexión sobre la historia de la ordenación del territorio en Francia. En París, de la région parisienne. Donc on a en fait là un exemple en fait de démarche qui va plus loin encore, qui est une démarche réflexive de la part des acteurs. Les acteurs se posent la question de l'histoire à laquelle ils ont participé et travaillent soit eux-mêmes, soit avec des chercheurs. Il n'a pas travaillé seul d'ailleurs, il a travaillé avec une chercheuse. Travaillé avec des chercheurs pour développer finalement une réflexion théorique à travers l'histoire, sur leur propre pratique, faire une théorie de leur propre pratique en utilisant l'histoire. Et on retrouve en fait ce type de démarche, alors Loïc bien sûr pourra en parler beaucoup mieux que moi, à travers deux cas, un cas tout à fait extraordinaire qui est le programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles, programme d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles, pour rester là-dessus, programme national, ministériel, de 99 à 2005, j'ai mis de 2001 à 2006, c'est une erreur, c'est de 99 à 2005, lancé par Jean Eudroulier, qui était à la tête de la planification, la tête de l'aménagement des villes nouvelles, pendant les années 70, qui a développé toute une politique aussi de recherche au sein du ministère en charge de l'urbanisme, et lors du départ, son départ à la retraite, juste avant son départ à la retraite, il a mené ce programme interministériel d'histoire et d'évaluation.
Ce type d'articulation entre départ à la retraite, volonté de développer une réflexion plus théorique d'une pratique à laquelle on a participé, je l'ai connu personnellement, à part avoir participé à ce programme en étant tout jeune chercheur, mais dans le cadre de la commande d'un ouvrage à une échelle beaucoup plus petite. C'était un ouvrage qui a été commandé par un directeur général adjoint de l'entreprise publique qui a construit la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et qui a commandé un ouvrage d'historien, de chercheur, sur cette expérience à laquelle il a participé quasiment tout au long de sa carrière et qui a été publié en 2012. On a donc là un usage de l'histoire qui est dans une logique, comme je l'ai dit, de construction de la pratique faisant appel à la recherche. Troisième cas, assez différent, et je m'arrêterai là, sur cette typologie des musées de l'agglomération parisienne et des usages de l'histoire. Muchas gracias. Bueno, la prolongación de la actividad que acabas de comentar de Jean-Pierre Alduy sería los procesos que han seguido otros urbanistas que, encargados de procesos de planificación, han ido traduciendo ese trabajo en una especie de proceso reflexivo de estos actores de la historia que de alguna manera han ido construyendo o han querido que se construyese una historia, una reflexión teórica de su práctica utilizando la historia, que es uno de los temas del grupo de investigación, los usos de la historia. En ese sentido hay varios de ellos, tenemos Guillén en la pantalla, que cuando se han retirado, cuando se han jubilado, han promovido publicaciones que teorizan cuál ha sido su propia práctica y la de su época, imagino, en términos de planificación. Tenemos en otro caso el de Bertrand Husset, que él ha encargado en realidad a historiadores el construir una historia de lo que había sido en realidad su periodo de actividad profesional. Bueno, estos serían los tres enfoques a propósito de la museificación, de la planificación urbana, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y para terminar, para concluir, la idea es de ver que hay tres tipos de usos diferentes de la historia. Un uso directamente proyectual, que es un uso de los años 80 en París, en esta agencia APUR, a un uso mucho más reflexivo, pero que pone otros desafíos, por fin, otros desafíos a los historiadores y con el título de este gran programa, de lo cual se ocupó mucho Loïc, el programa interministerial de historia, pero también evaluación. Y la combinación entre historia, reacción y evaluación es todavía una pregunta para nosotros los historiadores del urbanismo. ¿La historia puede hacer una evaluación? No sé exactamente. Y yo sé que estaba un gran debate para este programa. Y muchas gracias por escucharme.